Tiens, saloperie. Démon. C'est toi qui as voulu y retourner, hein. Oh, un trou dans l'épaule. Eh, même pas mal, hein. Attendez, est-ce qu'il a sa tache de sang, du coup? Attendez. Merde, attendez. J'ai trop envie de voir si... Ah, il y a une petite tache, hein. Il y a une petite tache. Ah, c'est bien. Seringue médicale. Bon, ça, on connaît. Ça va être pour se soigner. D'ailleurs, je pense qu'on va l'utiliser maintenant. Hop. Très bien. On va l'utiliser direct. Voilà, ça nous fait un peu de vie en plus. Allez. Ah, un putain de flingue. T'étais où quand j'avais besoin de toi? Ça y est, on a un flingue. C'est peut-être le bon endroit. Lily, j'espère que tu es là. Cette photo, je pensais l'avoir perdue pour toujours dans l'incendie. Je me souviens du jour où elle a été prise. L'haleine de Lily sentait la barbe à papa. Et Mira n'a jamais été aussi belle. Love you, Daddy. Oh putain, c'est triste. Dans quoi je me suis embarqué? Allez. Kidman. Sébastien, où étiez-vous? On vous avait perdu. Je sais pas. Mais c'était pas vraiment une petite bourgade paisible. Quelque chose de grave est en train de se produire ici. Baker est mort. Il y a un tueur en liberté dans le coin. Il fait des choses. Ah, fait chier, c'est un deuxième Beacon. Dans quoi est-ce que vous m'avez embarqué? Je ne sais pas. Nous avançons en aveugle. Baker était le chef d'équipe. S'il est mort. Je ne me fais pas trop d'illusions pour les autres. Continuez de chercher. Je pourrais vous aider si vous trouvez plus d'informations. Ouais. C'est ça. Hé hey, oh. Oh, il y a quelqu'un. Hé hey. Elle a dû m'entendre. Je ferais mieux d'aller voir. Oh là 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 là, on rentre dans une maison totalement glauque. Y'a quelqu'un? Manger, doit manger. Que la peau sur les os. Doit manger. Finis ton assiette. Doit manger. What the fuck, c'est quoi ça? La peau sur les os. Mange! Et voilà. Ne pleure pas. Je fais tout ça pour ton bien. C'est quoi ça? Bienvenue dans la famille, fiston. Ah, la saloperie. Oh putain, elle est encore vivante. Oh, oh bordel. Oh putain, la référence. Oh, le clin d'œil encore, mais j'hallucine. Oh, ce clin d'œil. Attendez. Là,
On a un clin d'œil. On a un clin d'œil à Resident Evil 4, le premier zombie qu'on voit dans le chalet là. Au tout début de Resident Evil 4. Quand Léon arrive dans le petit chalet, c'est exactement cette putain de scène. T'as le zombie qui se lève, il se retourne, il fait ah, et t'es là, tu dois le tuer. C'est exactement ça! Mais c'est ouf! Putain, cette maison fait creepy là un petit peu. Hein. On va éteindre la télé. Et le fils est mort, ah bah je crois bien, ouais. Désolé, fiston! C'était ton dernier repas! Agents de Mobius. Donc ils sont pas tous morts. Merde. Oula. Ces saloperies sont partout. Je vais devoir entrer là-dedans et soutirer quelques infos à ce type. Ok, attaque, ok. Attaque discrète. Alors attendez là. Putain, elle m'a fait peur, elle a couru vers moi. Eh, laisse tomber quoi. Ok, donc là on se concentre. On peut se cacher là-dedans. Ici on a une herbe, on va la prendre. Okay. C'est quoi ça? Oh, le retour des bouteilles! Très bien ça! Le retour des bouteilles, les creuses. On fait gaffe. Et donc vous voyez, tout ça c'est explorable. On va pouvoir vraiment aller partout dans la ville. L'église, les maisons. Allez, tiens! Salopard! On va aller voir notre pote. Toi, mon pote, t'as un pied qui commence à moisir. Je vais abréger tes souffrances. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ok. Allez. Ferme, 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 ferme. Ok. J'espère que ça tiendra. Bien joué, Casty. Oh, c'est énorme, regardez. Oh là là. Il a une crampe, du coup t'as l'animation de... Putain, c'est tellement détaillé quoi. C'est ouf. Bon. Du coup ouais, on a vu là, on a vu deux agents de Mobius. Dont un qui s'est fait bouffer. Donc il en reste plus que trois déjà. Avec Baker au début. Oh là, il y a du bruit là. Je le sens très mal. Hein. J'ai mon flingue. On recharge et on y va. Arrêtez, n'approchez pas. Ok, calmez-vous. Ne tirez pas. Je ne vous veux aucun mal. Vous voyez? Vous pouvez baisser votre arme. Nous sommes dans le même camp. Vous n'êtes pas de Mobius. Vous n'êtes peut-être pas une de ces choses, mais ça veut pas dire qu'on est dans le même camp. C'est vrai. Je ne travaille pas pour Mobius. Mais ce sont eux qui m'ont envoyé ici. Vous avez vu ces choses dehors? Ce qu'elles peuvent faire? Ouais, je suis au courant. Vous avez de la chance que votre partenaire se soit sacrifié pour vous permettre de vous échapper. C'était pas mon partenaire. C'était juste un agent de sécurité d'Union. Me protéger, ça faisait partie de son boulot. Et le mien, c'est de réparer des trucs. Merde, on me paye pas assez pour mourir ici. Je suis pas un soldat.
juste un technicien. Je sais. L'arrêter ou je tire. Un soldat aurait pris soin d'enlever la sécurité. Je vous l'ai dit, nous sommes dans le même camp. Bon, allez, on recommence. Je m'appelle Sebastian Castellanos. Moi, c'est O'Neill. Liam O'Neill. Alors, vous ne faites pas partie de Mobius, mais ils vous ont quand même envoyé ici. Pourquoi ? J'essaie de retrouver... J'essaie de restaurer le noyau. Comme vous. Vraiment ? Bonne chance alors. J'en peux plus. Je vais juste attendre ici jusqu'à l'extraction. Personne ne peut nous extraire. Pas tant que nous n'aurons pas trouvé Lily. C'est qui Lily ? Écoutez, nous sommes tous bloqués ici jusqu'à ce que nous trouvions le noyau. Vous pouvez m'aider ? Si ça veut dire remettre le pied dehors avec vous, vous pouvez faire une croix dessus. Ça, c'est une planque, alors je me planque. Vous pigez ? Mais j'ai peut-être une piste pour le noyau. J'ai détecté des signaux proches d'ici. Ils résonnent sur la fréquence du noyau. On essayait de les remonter à la source quand on a été attaqué. Tenez, écoutez. On dirait une petite fille, pas vrai ? Silence. C'était elle ? Le noyau ? Je pense, oui. Mais depuis qu'on est arrivé, je reçois plein de signaux étranges sur mon communicateur. Il va falloir en trouver la source pour s'en assurer. Et comment est-ce que je fais ça ? Votre communicateur peut aussi les capter. Jetez-y un œil quand vous serez sorti, vous verrez. D'ailleurs, vous capterez sûrement d'autres signaux dehors. Vous feriez peut-être bien de les suivre pour voir si... Non, non. Le noyau passe en premier. C'est notre seul moyen de sortir d'ici. Comme vous voulez. Nous allons synchroniser nos communicateurs. Je pourrais vous tenir au courant si je trouve quelque chose. Ouais, ok. Ok, si vous voulez. Chapitre 3, Résonance. Alors c'est marrant ce système de dialogue là, à la Fallout. Putain, je m'y attendais pas. Sortez et utilisez votre communicateur pour traquer la voix de la fille. Ça fait déjà une semaine que vous êtes coincé ici. Déjà ? Merde. Le temps s'écoule bizarrement ici. C'était censé être une opération de routine. Du genre à prendre à peine quelques heures. Mais merde, j'ai jamais rien vu de pareil. Comment ça ? C'est normal qu'il se passe des trucs bizarres quand un noyau débloque, mais là... On a dépassé le bizarre. Cet endroit est en train de tomber en lambeaux. On s'est servi de l'émetteur de champ stable, mais il ne fonctionne pas comme prévu. C'est quoi l'émetteur de champ stable ? Si c'est Mobius qui vous envoie, vous devriez pas être au courant. Eh non, mon pote, malheureusement, je ne sais rien. À propos de votre équipe, on va lui annoncer que Baker est mort. Vous étiez 5 dans votre équipe ? Quand on est arrivé, il y avait déjà une équipe de sécurité pour nous aider, mais oui. On est 5 dans l'équipe de sauvetage. Attendez, vous avez dit étiez ? J'ai trouvé Baker. Il est mort. Pas étonnant. Il avait trouvé un signal puissant et il voulait voir ce que c'était. Je lui avais dit qu'on devrait juste demander l'extraction et transmettre nos résultats et qu'une autre équipe se chargerait du sale boulot. Mais il voulait rien savoir. C'était le chef d'équipe. Il fallait toujours qu'il joue les héros. Si vous voulez mon avis, il n'y a pas grande différence entre un héros et un imbécile. Ouais. Sûrement la même différence qu'entre la prudence et la lâcheté. Pensez ce que vous voulez, je dis pas que je suis content qu'il soit mort. Mais vous me prenez pour le dernier des enfoirés. J'espère que les autres vont bien. Je vous tiendrai au courant si je trouve quelqu'un d'autre. Vous feriez ça ? Merci. Je vous en serai reconnaissant. Je pensais pas que ça serait dangereux à ce point-là. Vous savez où je peux trouver des armes, ou du matériel ? Je vous ai dit qu'il y avait bien ce signal, mais vous avez pas voulu en entendre parler. Je suis tout ouïe à présent. J'ai capté les transmissions de 2 agents de Mobius qui parlaient de cache d'armes. En suivant le signal, vous trouverez peut-être quelque chose. Ils sont peut-être cachés et peuvent vous aider. Je vais y réfléchir. Allez, quoi, je suis tout seul ici, j'ai besoin qu'on me protège. Fallait peut-être pas laisser votre dernier garde du corps se faire tuer. Bon, je vais marquer le signal sur votre communicateur. Merci, suivez-le, mec. Ou suivez-le pas, je m'en fous. Début de la mission. Ah, donc ça, c'est une quête secondaire. D'accord. Ces choses sont plutôt robustes. Il va falloir beaucoup de munitions pour les tenir à l'écart. Vous avez rien de plus puissant ici ?
Pas ici, non, mais vous trouverez sûrement ce que vous cherchez dehors. Cet endroit a été conçu pour être paisible, mais qui dit Mobius dit puissance de feu. Et vous savez où je peux trouver cette puissance de feu? C'est pas mal le bordel là-dehors. Alors c'est pas comme si vous alliez tomber sur un stock d'armes lourdes. Mais j'ai vu quelque chose qui pourrait vous être utile, à côté d'un blindé abandonné. Je vais vous marquer où il se trouve. La position d'un blindé de Mobius est ajoutée sur la carte. L'endroit grouillé de ces choses. Oh là 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 là. Vous avez vu, comme quoi c'est très utile de parler au personnage du jeu. Tout simplement parce qu'il va te donner des informations, comme là il m'a donné. Bah, une quête secondaire à faire. Et un emplacement d'armes lourdes. Ok, très bien, mon pote. Bah, merci beaucoup. Toi, je t'aime bien. Tu me donnes des bonnes infos. On va sauvegarder, nous. Je vous l'ai dit, c'est un jeu qui aura des quêtes secondaires, etc. Et là, en fait, je vais jouer au jeu comme si je jouais sans faire de stream. Donc, je vais tout faire. Je vais tout faire. Je vais me balader, je vais chercher, je vais fouiller pour trouver du gel. Pour certains, vous allez trouver ça long, mais je vais vraiment jouer comme si je jouais dans mon coin, seul. Voilà. Je vois pas pourquoi je devrais gâcher le plaisir parce que je stream. Donc voilà, j'ai vraiment envie de savourer le jeu à 100%. Du coup, on va vraiment essayer de tout faire. Voili voilou. Je sais pas où ça se trouve. Boire du café restera la totalité de votre santé. Les cafetières prépareront automatiquement une nouvelle tournée de café. Oh, cafetière automatique, bah, c'est sympa. Nickel. Est-ce qu'on le fait? On va le faire. Ah, ça fait plaisir. Ça détend. Ça réveille, tu veux dire. Poudre à canon et des munitions. Ah merde, je suis plein. Bon, on sait qu'il y a des munitions ici, en tout cas. Oula. Betty! Mais qu'est-ce que... Non, Betty se bat. Attends. Attendez, parce que là, ça va être un grand moment, je crois. Attendez. C'est elle. Putain, les grosses, c'est elle. Ok, donc on a aussi un établi ici. Très bien. Non, Betty, tu déconnes. T'es toujours là? D'accord, donc c'est là qu'on va pouvoir améliorer notre personnage. Le coiffeur is back. Hey, laissez-moi sortir! Ah, Betty! Inspecteur Castellanos, yes. Quelle bonne surprise. Bon retour parmi nous. Encore vous? Qu'est-ce que vous faites là? Énorme. Je pourrais vous retourner la question. En tout cas, c'est bon de voir un visage familier. Même si ce visage en a bien trop vu. T'as toujours tes petites lunettes? Vous avez l'air fatigué, inspecteur. Je peux vous remettre d'aplomb si vous voulez. Oh, mais alors, mais c'est quoi ces manières là? Oh! Vous savez? Non mais. Comme avant. Oui, bah comme avant, c'était il y a 3 ans quand même, hein. Oh! Alors. Ah, donc voilà le menu d'amélioration: santé, combat, agilité, récupération, furtivité. Ouais. Je crois que le plus important c'est la santé, non? Ouais. Ah, et donc voilà les gels. Et j'ai pas assez. J'ai 1400, ça coûte 1500. Fuck. Bon. Du coup. 1500 aussi, 1500 aussi, 1000 et 1500.
Et ben on va attendre tout simplement. On va attendre. On va attendre, j'ai rien pour le moment. Je préfère attendre et économiser mon gel. Inspecteur Castellanos, au rapport, chef. Alors. Ok. Essayons de trouver le signal dont il m'a parlé. Parce que le communicateur se trouve dans le champ d'un... Ils sont trop nombreux. On est foutus. Ils sont trop nombreux. Serre les dents, James. On a déjà vu pire que ça. Et cette fois, on est mieux. Ça doit être le signal dont me parlait O'Neill. On est foutus. Ils sont trop nombreux. Ah. Serre les dents, James. On a déjà vu pire que ça. Et cette fois, on est mieux armés. Enfin, on sera quand on aura récupéré les gages d'armes. Allez. Ils sont trop nombreux. Serre les dents, James. On a déjà vu pire que ça. Ok. C'est plutôt loin. Mais c'est la seule piste que j'ai. Bon Dieu, j'espère que c'est vraiment Lily. Oh non, 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 impossible, mec. Oh. Je peux toujours pas. Je fais le tour, mais. Équipé, déséquipé. Ah, d'accord, ok, très bien. Ok, cool. Alors, on va checker là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a donc le signal rebelle qui parlait d'armes. Il est là, ok. Ici, blindé de Mobius, arbalète sentinelle. Ouh, faudrait y aller. Faudrait y aller aussi. Et ici, c'est le cri donc d'enfant. On sait pas si c'est Lily. Et ici, c'est Planck. Ok. Donc, nos missions. Chapitre 3, trouver d'où provient la voix de la fille. Signal rebelle, explorer la résonance de Mobius. On va se faire ça. On va se faire ça. Oh là là ! Continue de s'effondrer comme ça, il y aura plus grand chose de la ville à fouiller. Il faut que je trouve ce signal. Oh là 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 là, mais c'est magnifique, putain, regardez-moi ça là. Donc voilà Union. Et là, ce qui est cool, les crosses, c'est qu'on va pouvoir bah, se balader. Voilà, c'est-à-dire que là, maintenant, on va où on veut.